et bienvenue en ce samedi 30 novembre 2019 pour le Magic Hebdo. Aujourd'hui nous fêtons Léandré et comme toujours cette émission nous est présentée par l'infatigable Olivier Flo. Bah Olivier, non mais je viens de dire que t'étais infatigable, pourquoi tu me fais mentir comme ça? Que quoi? Oula, où il est 10h? Oui, oui, il est 10h. Moi la nuit fut courte en fait, wow. Ouais mais faut se réveiller là, c'est le Magic Hebdo là. Mais oui, ça va Choupette? Mais oui, mais on attend ça depuis lundi, réveille-toi quand même. C'est vrai, on en est où? Je ne sais plus. Si, qu'allons voir aujourd'hui Choupette? On va aller voir Martine. Martine, oui, on va jusqu'à Tessancourt sur Aubette, hein, c'est ça. Avec quel tour aujourd'hui Choupette? Instinct, mais oui, je crois que c'est du mentalisme Choupette. Non, c'est des cartes. Oui, des cartes, mais c'est aussi du mentalisme, Choupette, je crois. Ah bon? Ouais. On se regarde ça tout de suite avec Martine, le temps que je me réveille. Ouais, parfait. Allez, à tout de suite. Yeah! Bien, alors aujourd'hui, on se retrouve avec Martine. Comment allez-vous? Très bien, Olivier, et vous? Très bien, super, la pêche, la banane, En forme, formidable, tout génial. À fait, tout eux à aussi, fait. Donc c'est impeccable. J'espère. Hein. Bien, alors aujourd'hui, je vous ai prévu... on va être un peu entre la magie et le mentalisme aujourd'hui. Ah, être un peu entre les deux. Est-ce que vous avez reçu du courrier de ma part ce matin? Non. En principe, oui. Non. Non? Non. Vous n'avez pas reçu? Non. C'est vous parce avez que oublié je l'ai la gardé poste. Là. Bah oui, si vous ne la postez pas. Hein. C'est ça. Bah, c'est vous, Martine. Eh ben voilà. Martine. Alors c'est à moi. Très bien, oui c'est à vous. Alors du coup je vais vous donner ce courrier. Alors je vous rassure, c'est pas une facture hein. Je vous rassure, mais je n'apporte que des bonnes nouvelles hein. Donc l'idée ça va être de poser ici l'enveloppe. Parfait. Alors donc j'ai ici moi un jeu de cartes. Que voici, que voilà. Et donc je vais vous faire choisir une carte. Évidemment, on est d'accord. Il n'y a personne à l'intérieur. Il n'y a personne. Personne, hein, je crois qu'il n'y a personne. Vraiment personne. Hein. Non, il n'y a personne. C'est amusant de dire qu'il n'y a personne. Bah oui. C'est amusant. Un peu petit quand même. Bien. Alors l'idée, c'est que vous allez choisir dans un premier temps un dos, celui que vous voulez. Celui-ci. Vous êtes sûr que vous voulez celui-ci? Oui. Alors évidemment, je vous montre évidemment que toutes les cartes sont différentes. Hein, c'est super important. Alors du coup, vous allez choisir la carte. Vous prenez la carte évidemment. Je me retourne, vous la montrez à nos amis qui sont ici et qui sont encore par ici, je crois. Vous la montrez bien. Elle vous plaît cette carte au moins? Oui. Super, formidable. Alors maintenant, ce que vous allez faire, ce qu'on va faire un petit peu différent que ce que font la plupart des magiciens, vous allez prendre cette carte et vous allez la mettre face en bas sur le tapis pour que quand je me retourne, je puisse pas pour savoir ce que c'est. C'est fait? C'est fait. Génial, super. Bah écoutez, vous allez même mélanger le reste du jeu, hein, comme ça on fait les choses avec clean. Avec ma carte? Non, dans un premier temps, vous mélangez. Vous allez comprendre pourquoi on ne fait pas avec tout le jeu. Hein. Vous allez comprendre dans un instant. On va faire avec quelques cartes du jeu. Hein. L'expérience qu'on va vivre maintenant. C'est bon? C'est bon. Génial. Alors maintenant, vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop! Avant la fin. C'est mieux. Très bien, on me dit stop quand vous voulez. Stop! Stop ici, super. Et vous me redites stop quand vous voulez. Stop! Stop ici, parfait. Parfait. Bah écoutez, on va ranger le reste du jeu. Et là maintenant, vous allez mélanger ces cartes avec votre carte. D'accord. Voilà. Donc vous mélangez bien. Voilà. Le mélange que vous voulez, voilà. Alors vous pouvez regarder où vous la mettez ou pas, peu importe. Peu importe. Je vais essayer de deviner. Voilà. Ah, vous voulez pas savoir où elle est non plus? Non. Très bien, ok. Comme ça, personne ne sait. Parfait. C'est fait? Oui. Je peux me retourner? Oui. Super, formidable. Alors c'est là du coup que je vais vous récapituler un petit peu ce qui vient de se passer. Parce que quand même, j'ai été quand même particulièrement honnête pour un magicien, je trouve. Tout à fait. Parce que si je récapitule... je vous ai fait choisir une carte d'un jeu de 52, toutes les cartes sont différentes, le jeu a été mélangé, on a isolé quelques cartes, vous avez remélangé, ça veut dire qu'on ne peut pas savoir combien il y a de cartes, on ne peut pas savoir quelle carte il y a. Vraiment, on est d'accord, je pense que je n'ai aucune indication. Non, aucune. On est d'accord. Non plus. Vous non plus. Parfait. Non plus. Personne ne sait où est la carte. Alors là, du coup, ce qu'on va faire, ce que je me propose de faire, c'est que je vais vous montrer les cartes une par une. Une par une, vraiment, à vous aussi évidemment, hein, qui avez pris connaissance de l'identité de la carte. Et vous allez essayer d'être un peu comme au poker, la plus poker face possible. L'idée, c'est de ne pas me donner du tout d'indication pour pas que je puisse deviner la carte. D'accord. Ok? Donc je dis rien. Vous me dites rien, vous êtes comme ça. Quoi. Voilà. Je me mets le masque. Un mur. Je mets le masque. Vous mettez le masque. Voilà. Alors, parfait. Alors du coup, on va commencer évidemment par la première... Voilà. La deuxième, vous ne dites pas si vous la voyez. On y va. La
Tac. D'accord, pour l'instant, vous ne l'avez pas vu. Hein. Vous l'avez pas vu. Je ne dirai rien. Alors, je pense que vous comprenez pourquoi on ne fait pas avec tout le jeu. Parce qu'en plus, des fois, elle est dessous. Donc, ah bah, vous comprenez ça pourquoi. Ça sera un petit peu long. Hein. On isole un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Eux, là-bas. Oui. Ouais. Il y a eu un petit signe. Vous, vous avez été super poker face, ah, mais eux, là-bas. Non, ah, j'ai rien dit. Je sens valet de trèfle. Eh ben oui. C'est la bonne. Eh ben oui. Vous l'avez bien fait. Par contre, vous là-bas. Ils ont triché alors. Bah, ils ont. Il y a eu un petit signe imperceptible qui fait qu'ils ont dit que c'était la bonne. Quoi. Moi non. Valet de trèfle. Non, vous étiez bien. Vous. Mais voilà. Bon, ils sont de plus en plus nombreux à regarder le Magic Hebdo et ils ont eu un petit moment de. Voilà. Voilà, moi je l'ai bien fait. Vous l'avez super bien fait, vous. Hein. Mais ça, finalement, c'est pas tellement le plus dingue, ça. C'est pas le plus dingue. Ah bon? Le plus dingue, c'est que je vous ai préparé un courrier quand même. Ah oui, j'ai pas. Que je vous ai donné depuis le début. Oui. Martine, c'est vous, hein? Oui. Votre prénom n'a pas changé depuis tout à l'heure. Non. Alors du coup, vous allez ouvrir l'enveloppe. Parce qu'il y a quelque chose pour vous dans l'enveloppe. Ah, il y a quelque chose pour moi dans l'enveloppe. Quelque chose, exactement. Ouais. Jolie carte, valet de trèfle d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup le valet de trèfle. C'est une invitation pour aller au restaurant avec Olivier. Ah. Ici une carte. Ah oh, bah c'est dingue. Valet de trèfle, eh oui. Et voilà. Eh ben, c'était pas une invitation. Ah, c'était pas une invitation, mais peut-être pour une prochaine fois. La prochaine fois. Mais déjà, c'est pas mal, parce que je trouve qu'on est quand même plutôt en osmose. Ben, hein. C'est pas mal. Hein. Oui. Ça vous a plu? Beaucoup. Super, génial. Bah écoutez, ils sont là, juste là. Je sens que ça leur a plu aussi. Par contre, vous auriez pu être un peu plus poker face. Poker face. Très bien. Bah écoutez, à ce moment-là, ce que je vous propose, moi, c'est qu'on termine évidemment l'émission dans la bonne humeur avec Choupette. Et bien et voilà. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt, à une prochaine fois. Allez, à tout de suite sur le plateau. Yeah. Hey, salut à plus à Martine Choupette, hein. Ça y est, t'es réveillée? Ouais, ça va mieux parce que pendant le tour, j'ai pris un petit café et là, c'est la pêche. Ouais. Bien, parfait. Donc du coup, qu'est-ce qu'on avait à annoncer? Mais si, évidemment, à partir de demain, vous pourrez mettre le calendrier de l'Avent, Choupette. Mais oui, mais génial. Et oui, parce que Noël approche à grands pas. Avec du chocolat. Et oui, il y a déjà les décos de Noël dans les rues, déjà. Hein. Ouais. Nous, on va pas tarder, évidemment. Je pense que la semaine prochaine, on aura mis... on sera en mode Noël, je pense. Oui, un petit sapin et tout. C'est vrai? Tu veux qu'on mette un petit sapin? On mettra peut-être un petit sapin, je sais pas, peut-être par là? Ouais. Des petites guirlandes, des petits trucs, enfin Noël quoi. Ouais. Ah super, génial. Bah à ce moment-là, on attaque la déco juste après? Oui. Juste après, parfait, très bien. Alors évidemment, bon anniversaire à Mehdi, ce sera vendredi. Peut-être que tu vas probablement te reconnaître, hein, évidemment, en regardant cette émission. Bon anniversaire également à Sophie, ce sera lundi, donc on sera le 2 décembre. Je ne sais pas si Sophie se reconnaîtra. On souhaite tellement d'anniversaires, j'espère que les gens vont se reconnaître hein, quand même. Hein. Ouais, en principe, avec la date plus le prénom, en principe, on peut quand même se reconnaître. Bien, parfait. Donc Sophie, si je dis TPMP, je pense qu'on y est, c'est bon. Ouais. Voilà. Bien, alors encore une fois, on essaie évidemment de souhaiter un maximum d'anniversaires. On en oublie certainement, mais on pense évidemment à vous chaque jour. Oui, et voilà, on vous c'est aime important. Très fort. Parce qu'on a tellement de choses à annoncer dans le Magic Hebdo qu'il peut arriver qu'on en oublie un ou deux, mais encore une fois, n'y voyez aucun. On pense à vous. Voilà. Bien sûr. Bien, parfait. Je crois qu'on a fait le tour. Alors évidemment, si vous ne souhaitez manquer aucun numéro du Magic Hebdo, il suffit simplement de s'abonner. La petite cloche, vous cliquez dessus ainsi vous êtes notifié en temps réel. Et évidemment, quant à nous, on se retrouve très vite dans le Magic Hebdo, à savoir samedi. À samedi. À samedi, Olivier. À samedi. Et l'aventure continue sur www.magie.olivierfloc.fr, rubrique émission / le Magic Hebdo. À samedi. À samedi. Ici une carte. Oh, bah c'est dingue! Valet de trèfle!